Salut, salut, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Petit Lever Jugesca. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer trois techniques pour provoquer la chaleur d'une lapine. Jusqu'à trois techniques pour provoquer la chaleur d'une lapine. Si tu es intéressé par ça, like, abonne-toi et partage la vidéo. Si tu as besoin de formation, de coaching et d'accompagnement et de suivi en cuniculture qui est l'élevage de lapins, vraiment, n'hésite pas à me contacter. Le numéro que tu vas trouver dans la barre de description. Si tu es parent, si tu es entrepreneur, si tu es salarié, si tu es jeune, tu es étudiant, tu es élève et tout. L'élevage de lapins, c'est un élevage qui ne demande pas assez d'espace, qui ne prend pas assez de temps pour la rentabiliser et c'est très rapide. C'est très rapide en fait. Donc, je vous invite nombreux à vous lancer dans l'élevage de lapins. C'est un site qu'on n'a pas encore exploré en Afrique. On n'a pas encore exploré ce site en Afrique. Et où on n'a pas encore exploré, ça veut dire qu'il y a l'argent là-bas. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans ça en Afrique. Le Cameroun est le premier pays en Afrique centrale. En Afrique centrale, oh. En Afrique centrale, le meilleur producteur de lapins en Afrique centrale. Oui, c'est le Cameroun. C'est le 237, oui, c'est nous. Donc, si c'est tout ce que j'ai dit, ça vous intéresse vraiment, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. On se retrouve après le générique pour plus d'astuces. Salut, salut, salut une fois de plus. Alors, j'espère que tu as aimé le générique. Moi, c'est Jodeska, le promoteur de la chaîne Le Petit Lever Jodeska. Entrepreneur en agro-pastoral. Donc, comme je dis tantôt, dans cette vidéo, je vais vous montrer trois techniques pour provoquer la chaleur d'une lapine. Vous avez des lapines à la maison qu'ils ne mettent jamais bas. On dit que bon, sa chaleur ne vient pas. Oh, ceci et ceci. Comme ça, elle a monté les enduits, elle a monté les enduits. J'ai eu acheté beaucoup de lapins chez les jeunes éleveurs. Car ils disent que la lapine ne met pas bas. Quand je prends la lapine, je mets à la maison, pap, et elle met bas. Ils viennent encore chez moi voir la lapine, ils sont surpris. Ils ont surpris, ils ne connaissent pas les techniques que j'utilise, les stratégies que j'utilise pour accouper la lapine, ils ne connaissent pas ça. Et quand je montre même à beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà un peu. Ils n'arrivent pas à comprendre. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer vraiment que c'est très rare de voir une lapine stérile. C'est très rare de voir une lapine stérile. Oui, la lapine stérile existe, mais c'est très rare vraiment. Depuis ma carrière en élevage de lapin, j'ai pratiquement 7 ans d'expérience dans l'élevage de lapin et je n'ai jamais vu une lapine stérile. Je n'ai jamais vu une lapine stérile. Dans mon parcours de ces 7 ans d'expérience là, je n'ai jamais vu une lapine stérile. Mais je sais que ça existe vraiment. S'il y a ça chez les humains, il y a ça chez les animaux. Donc ça existe vraiment. Et beaucoup d'éleveurs m'ont confirmé cela. Bon, si ta lapine n'est pas stérile, si ta lapine n'est pas stérile, utilise ces trois techniques là pour la coupler, car elle dérange un peu. La première chose c'est quoi? On appelle ça la technique des crottes. La technique des crottes. C'est pour ça que je te dis que ceux qui ont les cages en étage là, ceux qui ont les clapiers en étage là, ceux qui ont les clapiers en étage là, faites toujours en sorte que le mâle reste en haut. Le mâle reste loin en haut. Le mâle reste en haut. Et les lapines en bas. Ceux qui ont les cages en étage là. Le mâle est en haut, les lapines sont en bas. Là, même quand il va uriner, ces urines là vont passer dans les narines des lapines là. Ces urines là vont avoir de fortes chances de passer dans les narines des lapines là. Et ces crottes aussi vont passer dans les narines des lapines là. Donc, ils vont sentir, ils vont humer ces crottes. Vous voyez un peu. Même si c'est pas de près, ils vont humer quand même. Même si c'est pas à côté, ils vont humer. Ouais, un peu. Bon, que j'ai dit quoi? Mettez le mâle à côté de la lapine. Donc, si votre mâle est un peu éloigné de la lapine, prenez les crottes du mâle et vous mettez ça légèrement à côté de la lapine. Donc, prenez les crottes du mâle, mettez ça à côté de la lapine. Même pour un jour, deux jours. Et prenez cette lapine-là, mettez sur le mâle. L'accouplement peut réussir à 80%. L'accouplement peut réussir à 80%. Car vous savez quoi? En élevage, les lapins en général, désolé, les lapins n'ont pas de chaleur. Le lapin n'a pas de chaleur. C'est le mâle qui provoque l'ovule, l'évolution de la lapine. C'est le mâle qui provoque l'évolution de la lapine. Le mâle n'a, la femelle n'a pas de chaleur. Mais quand on excite derrière la lapine, on excite la lapine avec les crottes du mâle. On excite la lapine avec les crottes du mâle. Et quand elle va chez le mâle, ça facilite l'ovulation et pap, le mâle réussit à
atteindre sa cible. Vous savez, la cible du mal, c'est la coupe et la pine. Vous voyez un peu. Donc, comme j'ai dit là, les crottes du mâle sont très importantes pour provoquer la chaleur des lapines, pour faciliter l'accouplement en fait. Vous pouvez prendre ça, vous mettez chez la lapine même pour une journée ou une journée et demie. Après, vous prenez la lapine, vous mettez chez le mâle. L'accouplement va réussir. C'est le dernier cas. Vous n'avez pas trouvé ça. Vous n'avez trouvé ça dans aucun PDF, aucun livre de lapin. Ça, c'est de l'expérience. Ça, c'est de l'expérience. J'ai 7 ans d'expérience dans l'élevage de lapin. Ça, c'est de l'expérience. Je fais l'élevage de lapin depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai 7 ans d'élevage, j'ai 7 ans d'expérience en élevage de lapin. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Vous voyez un peu. Deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, nous avons l'odeur du mal. L'odeur du mal, c'est presque similaire à celle des crottes. Mais celle-ci-là, c'est plus efficace. Prenez la lapine, vous mettez la lapine chez la case, dans la case la plus proche du mâle. Donc, faites la lapine être la voisine la plus proche du mâle. Si le mâle est ici, faites la lapine être ici. Là, ils sont à côté. Et il y a un changement de contact. Il y a un petit contact là qui se passe. Mais vous allez ignorer ce contact là. Vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Donc, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, mais dans différentes loges. Le mâle essaie toujours chaque jour d'envoyer ses narines dans la cage de la lapine. Et quand il se touche les narines là, le mâle met ses narines comme ça, la lapine met ses narines comme ça. Quand il se colle les narines là, avait dit beaucoup de choses, c'est un élevage de lapin. Quand il se colle les narines là, avait dit beaucoup de choses. Après, tu vas voir, la lapine va commencer à se frotter le menton sur les mangeoires. Elle va commencer à se frotter les mentons sur le mangeoire. Quand elle se frotte le menton là, sur les mangeoires là, à l'heure que tu vas constater que la lapine commence à se frotter son menton comme ça là, sur les mangeoires, amène-la chez le mâle. Elle est juste excitée. Amène-la chez le mâle. Vous voyez un peu. Amène-la la lapine chez le mâle. Donc, cette technique, cela marche généralement en 20 à 24 heures. Dans 20 à 24 heures. Amène la lapine à côté de la cage du mâle. La cage la plus proche du mâle. Oui. Amène-la là-bas. Vous voyez un peu. Donc, ça va te faciliter vraiment l'accouplement. Ça va vraiment te faciliter l'accouplement. Elle dit ça. La troisième chose, c'est quoi? La troisième chose ici, c'est l'expérience. On ne doit pas essayer de vous parler des choses de PDF et tout. La troisième chose ici, là, c'est l'expérience. Bon. Ici, c'est quoi? Ici, on va parler de quoi? On va parler d'une technique qui marche généralement à 99,9%. Une technique qui marche à 99,9%. Mais certains éleveurs craignent. Car ils voient dans les livres des lapins, on dit que ne pas mettre la lapine chez le mâle pour une longue période. Ne pas faire ceci. Laissez-nous ça. Ce sont les chapitres là-bas. J'ai dit en élevage de lapin, c'est l'expérience qui compte. En élevage de lapin, c'est l'expérience qui compte. Si tu as fait tes formations n'importe où, ne venez pas avec ça ici embrouiller les gens. Si vous avez fait vos formations n'importe où, n'embrouillez pas les gens avec ça. Et que c'est l'expérience qui compte en élevage de lapin. Si tu as l'expérience, tu as la réussite en élevage de lapin. Oui, c'est ça. Car pour avoir l'expérience, il faut beaucoup d'échecs. C'est l'échec qui donne l'expérience. Ça va d'échouer qu'on apprend. Vous voyez un peu. Donc, ici, c'est quoi? La troisième technique, c'est quoi? Mettez la lapine chez le mâle simplement pour 3 jours. Et enlevez la lapine là. Mettez dans sa cage. C'est fini. Astuce très simple. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ici, à la dernière position. Là, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin vont bénéficier de ceci. Ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin vont bénéficier. J'ai dit quoi? Mettez la lapine chez le mâle pour 3 jours. Ce qui est sûr, c'est quoi? Si le mâle là chevauche la lapine pendant 3 jours, elle va accepter ça. Hey, la lapine là, c'est quoi? On laisse seulement de quoi? C'est une camonaise. J'ai dit, laissez la lapine là chez le mâle 3 jours. 3 jours d'une lapine avec le mâle, ça va provoquer l'évolution. Ça va provoquer l'évolution. Et elle va tomber gestante. Elle va tomber vraiment. Elle va aller. Donc, elle va se laisser prendre. Donc, il dit quoi? Laissez la lapine sur le mâle pendant 3 jours. C'est-à-dire, moi, je dis que bon, ils vont faire des bagarres. Même si ta lapine bagarre avec le mâle, laisse-les là-bas pour 3 jours. Laisse-les là-bas. Même s'ils bagarrent, laisse-les ensemble. Ils vont s'entendre. Ce ne sont pas des mâles. Si c'est 2 mâles, on peut. Quand ils commencent la bagarre, quand vous mettez 2 mâles dans une case, ils commencent la bagarre, c'est fini. Enlevez directement.
Mais si c'est un mâle, une femelle, laissez-les là-bas. Ils vont s'entendre, laissez-les là-bas. Oh, je guess ça. L'homme de l'expérience. L'homme du terrain. Abonnez-vous. Abonnez-vous là-bas.